Isabelle, on sait maintenant qui va faire le spectacle de la mi-temps au Super Bowl. Il y a tellement eu de spéculations. On se demandait, est-ce que ça pourrait être les NSYNC? Est-ce que ça pourrait être Miley Cyrus? On aime... Il y en a aussi qu'on avait avancé, je pense. Complètement, mais Rihanna, qui était là l'année passée, qui avait fait tellement jaser avec ça, la façon dont elle était habillée, avec le fait qu'elle était enceinte. C'était magnifique, ce Super Bowl. Et là, bien, on apprend que c'est le chanteur de 44 ans, Usher, qui va faire partie du Super Bowl. Maintenant, on n'a pas beaucoup de détails. Est-ce qu'il y aura des collaborations? Qu'est-ce qu'on sait? Mais assurément, on va l'entendre sur certaines chansons faire son hush, hush traditionnel. Ça, c'est sûr. Donc, c'est le 11 février à Las Vegas. On aura plus de détails pour vous éventuellement, mais je crois qu'il pourra faire un spectacle assez haut en couleur. Hein. C'est ce genre d'invité qui, d'après moi, pourra nous en mettre plein la vue. Là, est très pop, un peu de hip-hop à travers tout ça. Donc, bon, voilà, c'est la nouvelle qui circule aujourd'hui. Vous allez le voir partout, assurément. C'est la nouvelle qui fait jaser. Merci. À tantôt. À tantôt. Parlons du protecteur.